La Minute IFA, on est toujours ici à Berlin, on est avec Withings. Vous connaissiez le tensiomètre connecté, le monitoring pour bébé. Voici un nouveau produit, une annonce qui a été faite il y a quelques instants à l'IFA. Bonjour Cédric Hutchins. Bonjour Benjamin. Vous êtes le directeur général et le fondateur de Withings et vous avez dans la main ce nouveau produit. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le Withings Home. C'est tout simplement une caméra de surveillance à distance, dernier cri, donc qui me permet de voir en temps réel ce qui se passe dans la maison directement à partir de mon iPhone, mon téléphone portable. Donc on visualise en temps réel ce qui se passe à la maison, il n'y a quasiment pas de latence, hein, c'est assez extraordinaire, mais c'est beaucoup plus qu'une caméra. Voilà, donc elle permet aussi de m'alerter de façon très simple lorsqu'il y a du bruit, du mouvement dans la maison. Je dirais ça c'est presque classique, mais ce qu'on fait de manière beaucoup plus fine, c'est qu'on peut alerter du fait qu'il y a quelqu'un dans la maison. Donc on sait distinguer en fait le chat qui bouge dans la maison de quelqu'un qui est entré dans la maison. On sait aussi distinguer le bruit d'un pleur de bébé. Et puis on ne le voit pas, mais dans cet nouvel objet, il y a aussi des capteurs, et des capteurs assez surprenants. Hein. Voilà, qui dit surveillance de la maison, donc surveillance de ce qui s'y passe, mais aussi de ce qu'on ne voit pas, qui est la pollution de l'air à l'intérieur de la maison. De plus en plus, en fait, la pollution vient de la maison, pas de l'extérieur, mais vient des produits chimiques qui viennent avec les produits nettoyants, voire les nouveaux meubles. Et donc, on a un capteur qui permet d'alerter du fait qu'on a des niveaux de pollution qui dépassent les niveaux recommandés, tout simplement. Et puis, alors, il y a ce soc qui est très sympa parce qu'il permet d'orienter la caméra, en fait. Hein. Voilà, donc la caméra a déjà un angle de vue très large de 130 degrés, donc permet d'épouser toute la pièce. Mais je peux l'orienter suivant, par exemple, la position d'un lit bébé, avec ce soc qui est magnétique et qui permet de fixer de manière très élégante et simple l'appareil. Et puis enfin, il y a la base de Home qui en fait peut diffuser de la lumière et donc à distance, on peut jouer avec Home à la fois avec le haut-parleur et la musique et avec les lumières. Voilà, donc on peut interagir avec le bébé qui est dans la pièce d'à côté, donc l'écouter, lui parler, donc il y a un haut-parleur, lui jouer de la musique, une berceuse ou une petite lumière d'ambiance, de couleur qu'on peut directement piloter de son téléphone. Sortie et prix, Cédric ? Sortie en octobre, donc là, incessamment, et à 199€. Et puis, il y aura évidemment des forfaits pour ceux qui veulent davantage d'archives vidéo dans le cloud. Merci Cédric, merci beaucoup. Merci Benjamin. Et à bientôt sur Watch TV pour une nouvelle Minute IFA.